Gloire à Dieu, bonjour à tous.
Nous sommes encore réunis donc pour encore un nouveau programme dans le Seigneur. Voilà, dans cet encore après-midi ou dans cette soirée, tout dépend à quel moment tu vas écouter ce message, tu vas écouter ce programme qui est de Dieu. Eh bien, il y a quelque chose pour toi encore que Dieu a préparé. Il y a une bénédiction que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. Il y a une seule chose qui va faire la différence encore, et j'aime le répéter, c'est quelle disposition de cœur nous avons aujourd'hui. Nous avons besoin d'avoir cette disposition de cœur qui dit « Parle, Seigneur. Parle-moi. Dis-moi, Seigneur, ce que tu as à me dire. » Je crois que si on entre dans cette disposition de cœur-là, encore dans ces moments, alors nous recevrons une bénédiction. Le thème de ce message encore que le Seigneur a déposé sur ma vie, c'est « Il est temps de pardonner ». Alors pourquoi ce thème ? Ben, je vais vous dire la vérité, à cause de mon expérience, à cause de ce que j'ai vu, à cause aussi de ce que j'ai vécu, je sais qu'il y a des gens qui vivent ça. Qu'est-ce que tu es en train de dire, James ? Oui. Il y a des personnes qui se sont données à Dieu, qui sont chrétiens, dans l'Église, et qui ont encore peut-être dans leur cœur une racine, un manque de pardon, quelque chose qui reste et qui provoque en quelque sorte dans la vie chrétienne, dans la destinée d'un enfant de Dieu, une interruption. Il y a des personnes qui sont chez eux et à cause de ce manque de pardon, ils n'arrivent plus à avancer avec Dieu. De la bouche, on va dire qu'on est bien avec tout le monde, mais il y a des personnes qu'on n'arrive pas peut-être à croiser sans avoir un petit pincement au cœur. Des familles ont été brisées. Des foyers sont anéantis dans l'invisible. Parce que souvent le manque de pardon agit là où on ne voit pas. Des fois on arrive dans un foyer, il semblerait que tout va bien. Il semblerait qu'il n'y a pas de problème. Et au fond, parce que je l'ai vécu, dans mon foyer. Et au fond, il y a un manque de pardon. Une colère, une haine qui s'est installée, qui a commencé peut-être pour chaque situation avec une petite chose ou des fois c'est des grandes choses qui se sont passées, mais qui ont été nourries et alimentées par les pensées que l'ennemi a voulu mettre dans nos cœurs. Alors je voudrais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui le Seigneur nous dit, et le Seigneur te dit, qu'il est temps de pardonner. Pourquoi ? On va lire un passage dans la parole de Dieu dans Romains chapitre 13 et on va commencer à partir du verset 11. Il dit « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni boisson, sans luxure ni dérèglement, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, de ce qui agit en toi, de ce qui bloque ta vie, de ce qui bloque ta destinée. Et le verset va être clair, il va dire « Il est l'heure de se réveiller, enfin du sommeil. » Vous savez pourquoi que tu as besoin de pardonner ? Il y a trois questions à se poser. C'est comment est ta vie aujourd'hui ? Première question. Est-ce que ta vie est productive? Est-ce que tu produis aujourd'hui dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu produis quelque chose de positif pour Dieu? Et la troisième question, c'est qu'est-ce que Dieu pense de ta situation? Qu'est-ce que Dieu pense quand il regarde ta situation?
Qu'est-ce qu'il voit quand il regarde ta situation? Je voudrais te dire quelque chose. Aujourd'hui, si ta vie aujourd'hui, si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas heureuse, si tu ressens des blocages, tu as besoin de pardonner. Tu ne produis pas aujourd'hui réellement ce que la Bible te dit de produire en tant qu'enfant de Dieu. Tu as besoin de pardonner. Et je voudrais te dire de quelle manière Dieu te regarde. Si aujourd'hui tu es dans cette situation, Dieu te regarde avec un regard d'amour, de compassion. Il veut t'aider. Il n'est pas d'accord avec ta situation. Mais il est d'accord pour te sortir de ta situation. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu nous aime. Je voudrais te dire que le manque de pardon est un poison qui endort, mais qui va finir par te tuer. C'est un poison qui va commencer par t'endormir au fur et à mesure. D'où le verset qui dit « Il est l'heure de vous réveiller du sommeil ». Mais ce poison finit par tuer. Ce poison finit par anéantir. Ce poison finit par détruire. Il est temps de pardonner. Aujourd'hui, il faut réaliser que j'ai besoin de ce pardon, que j'ai besoin d'y accéder. Alors, il y a des personnes qui vont dire quelque chose, mais moi, je n'ai pas besoin de pardonner. Et peut-être on a essayé de se convaincre de ça. Je n'ai pas besoin de pardonner, je n'ai rien fait moi, vous comprenez? Je n'ai pas besoin de pardonner, tout va bien. C'est comme un rejet en voulant dire, vous occupez pas de moi, je gère ma vie. Ce sont souvent des personnes qui ont été habituées à se sortir de la situation tout seul. Mais je voudrais te dire qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle tu es, tu ne t'en sortiras pas tout seul. Tu as besoin de t'appuyer sur Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis que tu n'as pas besoin de pardonner, alors pourquoi ce poids? Pourquoi cette boule le matin quand tu te lèves? Pourquoi cette boule le soir quand tu te couches? Pourquoi tu pleures? Pourquoi cette amertume quand tout d'un coup la situation arrive? Pourquoi cette angoisse au fond de toi? Je voudrais te dire quelque chose. Tu as besoin de pardonner parce que le pardon libère. Le pardon libère. Et ça, il faut le croire. Le pardon veut opérer dans ta vie. Une liberté peut-être que tu ne connais pas aujourd'hui. Mais je le déclare que tu vas connaître à partir de maintenant. Parce que les messages que nous prêchons, la parole de Dieu, ne sont pas des messages de condamnation. Ne sont pas des messages pour détruire. Ne sont pas des messages pour pointer du doigt les personnes qui sont dans ces situations-là. Mais ce sont des messages justement prophétiques pour dire que aujourd'hui ta situation est peut-être comme cela, mais qu'à partir d'aujourd'hui ta situation change. Qu'à partir d'aujourd'hui, parce que tu vas comprendre la parole de Dieu, parce que tu vas recevoir la parole de Dieu, ta situation va changer. Réalise quelque chose. C'est que Jésus a accompli une œuvre pour ta situation. Jésus a accompli une œuvre pour ta situation. Et pas n'importe quelle œuvre. L'œuvre de la croix. Jésus à la croix pour ta situation. Jésus crucifié pour ton pardon. Jésus a souffert pour ton pardon. Jésus a payé le prix pour que tu sois libre aujourd'hui. Et je voudrais te dire quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, ne pas pardonner, c'est comme si que tu rejettes le sacrifice de Jésus. Ne pas pardonner, c'est comme si tu dis, je n'ai pas besoin du sacrifice de Christ. C'est comme si que la grâce, parce que la croix, le sacrifice de Jésus a été pour accomplir la grâce dans ta vie. Une grâce qui ne coûte rien, une grâce imméritée. Et aujourd'hui, c'est comme si en quelque sorte que la grâce veut couler à travers toi. Mais qu'en décidant de ne pas pardonner, c'est comme si que tu fermes le robinet de la grâce. Que tu fermes le robinet de la bénédiction. Et c'est pour ça, en quelque sorte, que dans ta situation, tu ne vis pas tous les bénéfices de la grâce.
parce qu'il y a des bénéfices dans la grâce. C'est de vivre la vie de Dieu, les promesses de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te poses des questions. Pourquoi qu'aujourd'hui tu ne vis pas pleinement la grâce dans ta vie? C'est parce que tu n'acceptes pas l'œuvre de Christ entièrement. Tu ne laisses pas l'œuvre de Jésus agir entièrement dans ta vie. Alors je voudrais te donner cette parole et il faut que tu l'inscrives au fond de ton cœur. Libérer ton pardon, c'est activer la grâce. Libérer ton pardon pour ton prochain, c'est activer la grâce dans ta vie. Vous savez, on va dire oui, mais c'est injuste. J'ai rien fait. C'est injuste. J'ai pas fait de mal, moi, j'ai rien fait dans cette situation. Je suis simplement une victime. Oui, mais je veux te dire, est-ce que c'est juste de continuer à souffrir en donnant du pouvoir aux personnes qui t'ont fait du mal? Est-ce que c'est juste de continuer à souffrir en donnant du pouvoir aux personnes qui t'ont fait du mal? Et j'ai une question, justement, qui est importante pour ça. Qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes aujourd'hui? Et je crois que c'est là où l'homme se trompe. L'homme en veut à l'homme. Mais l'homme se trompe. Qui sont ces personnes en réalité qui te font du mal? Chrétien, chrétienne, il faut le réaliser aujourd'hui. J'ai été abandonné par ma mère. Ma mère m'a fait souffrir. Ma mère m'a fait du mal. Et si quelqu'un viendrait me voir et me dirait, c'est qui t'a fait souffrir à ce moment-là, James? C'est ta mère? Je dirais non aujourd'hui. Avant, je disais oui. Mais aujourd'hui, je dis non. Et la personne me dirait, mais si, c'est elle qui t'a abandonné, c'est elle qui t'a fait du mal, c'est elle qui t'a fait souffrir. Oui, mais je dirais, ce n'est pas elle qui m'a fait du mal. Qu'est-ce que tu dis, James? Oui. Et il y a un verset de la parole de Dieu qui dit quelque chose de merveilleux et qui est capable de résoudre justement toutes nos situations, toutes nos souffrances, si nous mettons foi dans sa parole. Ce verset nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les démons, Satan. Alors aujourd'hui, reposez-moi la question. Qui t'a fait souffrir, James? Ce sont les autorités. Satan. Satan. Et aujourd'hui, c'est contre eux que je veux lutter. Parce que je sais que ce qui a agi, ce qui a poussé cette situation où ma mère m'a abandonné, ce n'est pas elle, mais c'est le péché qui habitait en elle. Et ce qui anime le péché, c'est les lieux célestes, les autorités, les dominations qui agissent pour l'ennemi. Et quand j'ai compris ça, alors j'ai compris quelque chose qui est peut-être dur à accepter pour certains. C'est que ma mère est simplement une victime de ce monde. Et qui avait fait une victime aussi à travers ce qu'elle vivait. Mais aujourd'hui, je ne suis plus une victime. Je suis un enfant de Dieu. Pardonné, racheté. Prêt à manifester le caractère de Jésus, prêt à manifester l'amour de Dieu. Oh oui, Jésus l'a manifesté largement, plus que personne ne le manifestera. À la croix, ses mains, ses pieds percés, ses accusateurs devant lui, il va s'élever un cri. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh oui, Jésus avait largement conscience déjà que les autorités, les dominations, Satan, ses démons, il avait largement conscience qu'ils agissaient à travers les hommes. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut que tu réalises cette parole. Il faut que tu réalises ça aujourd'hui. Libère ton pardon
Si tu libères ton pardon, tu vas activer la grâce. Quand la grâce va être activée pleinement dans ta vie, alors tu vas commencer à vivre des choses. Parce que posons-nous la question, pourquoi je vis peu dans ma vie chrétienne? C'est parce qu'il est temps de pardonner. J'ai une citation qui est tout simple, mais si tu agis avec le divin, alors tu recevras le divin. Mais si tu agis avec la chair, avec le terrestre, alors nous vivrons une vie chrétienne terrestre. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à agir avec le divin. Et quand on va agir avec le divin, alors la grâce de Dieu va se manifester comme une source forte, puissante, qui va animer dans ta vie la bénédiction. Moi, j'ai décidé de pardonner. Pourtant, j'ai été abandonné. C'était dur, c'était difficile. J'avais souffert. Mais j'ai compris la parole de Dieu. Et j'ai fait quelque chose. Si tu me poserais la question, comment tu as fait, James, pour pardonner? Aujourd'hui, je te dirai simplement ces mots. J'ai fait un choix. Face à la parole de Dieu, j'ai fait un choix. Eh oui, il y a un choix aujourd'hui pour toi. Le verset le dit, Romains 13, au verset 12. Dépouillez-vous des ténèbres. Mais se dépouiller des ténèbres consiste à reconnaître quelque chose, c'est qu'il y en a. Tu ne peux pas te dépouiller de quelque chose que tu ne crois pas qu'il y ait. Et aujourd'hui, il faut que tu réalises à travers ce que je suis en train de te dire, à travers la parole de Dieu, que toutes les situations négatives de ta vie, tout ce qui est négatif, tout ce qui t'empêche de vivre ta destinée aujourd'hui, est peut-être lié au simple fait que tu ne pardonnes pas. Et aujourd'hui, Dieu te place devant un choix. Dépouillez-vous des ténèbres et dit revêtez-vous des armes de la lumière. La lumière est le moyen de faire fuir les ténèbres. Et je voudrais te dire que simplement de faire le choix de manifester le pardon, simplement de faire le choix de manifester la joie, simplement de faire le choix de manifester la paix, simplement de faire le choix de manifester l'amour, alors va activer dans ta vie une bénédiction. La lumière va paraître et les ténèbres vont s'enfuir. Le pardon est une arme. Je crois que le pardon est l'une des plus grandes armes qu'il existe dans la parole de Dieu. Parce que c'est Christ qui l'a manifesté. Alors aujourd'hui, il est temps de faire quelque chose. De te considérer aujourd'hui comme Christ l'a fait à la croix. Et je crois qu'on pourrait fermer nos yeux ensemble et réaliser quelque chose. Il s'est élevé un cri. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Savez-vous ce que Christ a fait à ce moment-là? Il nous a tous déclarés non coupables. Il nous a tous déclarés non coupables. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que tu le déclares, que tu le déclares, que tu les déclares non coupables. En disant, Seigneur, oui, je les pardonne. Parce que ce qui les a poussés à me faire du mal, c'est le péché. Et ce que je veux combattre, ce n'est pas eux, mais c'est ce qui agit en eux. Le jour où j'ai fait ce choix, je vous le dis, ça a changé ma vie. La grâce a commencé à s'activer en moi. J'ai commencé à vivre des choses que je ne vivais pas. J'ai commencé à ressentir des choses que je ne ressentais pas. J'ai compris qu'il était temps de pardonner. Alors aujourd'hui, que tu puisses réaliser que pour toi aussi, il est temps de pardonner et de laisser faire Jésus dans ta vie. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont là, Seigneur, qui t'écoutent,
qui entendent ta parole, qui souffrent, qui ont souffert. Je te demande, Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit, de leur faire réaliser pleinement ta parole, qu'un choix puisse se faire aujourd'hui et qu'ils puissent déclarer et réaliser qu'il est temps de pardonner. Oui, qu'une onction, Seigneur, puisse apporter la révélation. Oui, que la grâce puisse être activée. Que chaque personne qui entende ce message puisse être libérée totalement dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, je sais que tu le fais maintenant. Nous déclarons, chaque personne qui veut recevoir la parole, qu'elle va être libre dans le nom de Jésus. Christ à la croix a payé pour ta liberté. Christ à la croix a payé pour te déclarer non coupable. Il est temps que toi, si tu déclares non coupable ton prochain. Je te dis merci Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux y dire non. Tu peux y dire 20 ans. Tu peux refuser de être sauvé. Mais tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui. Bien que Jésus dans ma vie, tu peux l'accepter et être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Jésus.